Comment ça va en ce moment? Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux. Pourquoi tu veux faire ça? Moi, j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille. De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout. Comment t'as pu me faire ça? Tu te rends compte que tu m'as fait rater l'enterrement de maman? Jamais tu pourras réparer ça. Réparer quoi? T'as déjà tout cassé? Tu te ramènes ici habillé comme un travaux. Putain, pars-toi! Tu vas la remettre sur ton petit meuble de merde? Je vais l'emmener au bord de la mer dans sa maison d'enfance. C'est elle qui me l'avait demandé. T'as pas fini tes conneries? Sors! Sors de là! Je la laisserai pas! Soit tu descends, soit on y va. Allez où? À la mer. Alors tu te fais appeler Lola maintenant? Très classe. Oh le con! Putain! Je sais pas ce que tu veux prouver, mais tu viens avec moi, on s'en va. Non, je suis bien ici. Moi je bouge pas. Tu me touches pas. Ça suffit. C'est mon fils, je fais ce que je veux. On sera jamais d'accord tous les deux. Je te demande une seule chose. On finisse ce qu'on est venu faire. On le fait pour elle. Elle te manque? Maman, avec toi, j'ai toujours eu l'impression que tout était possible. Et que ce qui était important dans la vie, c'est ce qu'on croyait soi. Et pas ce que pensaient les autres. Connard ! Aujourd'hui, je sais qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière les apparences. Et ça, c'est grâce à toi.